Cette fois, elle est arrivée, la neige tombe en abondance sur les vallées béarnaises depuis ce week-end. C'est donc aussi la rentrée pour Eric Pasquin, l'un des agents départementaux en charge du déneigement. Il retrouve sa machine et ses allers-retours vers le col du Pourtalet. C'est ma première journée aujourd'hui et on tombe très bien. On tombe pile poil, là, ce qu'on adore, quoi, la neige. Là, c'est des épisodes. L'année dernière, ça a été catastrophique, quoi, pour nous, quoi. La neige n'était pas au rendez-vous tout le temps. Cette fois, avec 70 cm tombés en 24 heures en haut du col, 30 cm un peu plus bas, vers Artoust, et une neige encore présente, les cumuls pourraient être importants dans les prochains jours. Alors même si la circulation est très limitée avec le confinement, le travail de déneigement, lui, peut continuer. D'accord. Le col du Pourtalet devrait rester ouvert. Ça restera ouvert. Les conditions, bon, il neige, mais voilà, les conditions sont bonnes. Il n'y a pas de problème quoi, pour passer, quoi. Pour la semaine, il prévoit encore de la neige jusqu'à mercredi, au moins, voire jeudi. Et après, l'isotherme monte petit à petit, quoi. Après, ce sera plus de l'eau, oui. Et puis la route sera plus praticable, quoi. Parce que là, les échelles sont obligatoires quand même sur le col, sur tout le col. Donc, Des chutes de neige qui frustrent évidemment les stations de ski comme Artoust. Les professionnels du secteur de toutes les stations béarnaises appellent à une manifestation mercredi à la Reims pour demander l'ouverture des remontées mécaniques.